Dans ce tutoriel, je vous explique comment créer des images dynamiques grâce à la fonctionnalité Appareil photo sur Excel. Vous allez découvrir que cette fonctionnalité offre de nombreuses possibilités pour créer rapidement des tableaux de bord interactifs avec des données pouvant provenir de plusieurs fichiers Excel. De plus, en créant une liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez afficher et si vous modifiez les valeurs ou les formules figurant dans les plages de cellules capturées, alors les données figurant sur vos images se mettent à jour automatiquement. Pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel, vous pouvez télécharger ce fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Pour cet exemple, vous avez sur cette deuxième feuille de calcul, dans la première colonne, le nom des employés, puis ceux qui seront présents au repas de fin d'année en sélectionnant oui ou non dans la liste déroulante. Et vous avez dans ces deux colonnes le détail des frais. À côté, vous avez un récapitulatif de ces informations où figure le nom de l'événement, l'heure, la date, le nombre de personnes présentes en utilisant la fonction NBC, puis le montant total des frais calculé avec la fonction somme, le coût par personne en divisant le montant des frais par le nombre de personnes présentes et un graphique qui est lié aux colonnes frais et montants. La première feuille Excel va vous servir à afficher vos images dynamiques qui seront liées à vos cellules ou plages de données. Pour commencer, il vous faut ajouter dans votre barre d'outils d'accès rapide l'icône de la fonctionnalité Appareil photo. Pour ce faire, au-dessus de votre feuille Excel, vous faites un clic gauche sur ce curseur et vous sélectionnez « Autre commande ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur le cadre « Commandes courantes » et vous sélectionnez toutes les commandes. Puis soit vous utilisez la barre de défilement ou vous faites un clic gauche sur « Séparateur ». Vous commencez à taper avec votre clavier les lettres « APP », ce qui vous affiche la fonctionnalité « Appareil photo ». Vous la sélectionnez, vous cliquez sur « Ajouter », ce qui l'insère dans le cadre de droite où figurent les raccourcis dans votre barre d'outils d'accès rapide. Et en cliquant sur « OK », l'icône de la fonctionnalité « Appareil photo » s'affiche dans votre barre d'outils d'accès rapide, présent lorsque vous avez terminé d'analyser vos données et que vous souhaitez afficher sur votre première feuille Excel les données qui résument les informations essentielles. Alors, vous sélectionnez la première plage de cellules que vous souhaitez capturer. Ensuite, vous faites un clic gauche sur l'icône « Appareil photo », ce qui affiche le contour de la plage en pointillé, vous informant que les données ont été capturées ou prises en photo, et vous avez le curseur de votre souris qui s'est transformé en signe plus. Vous allez alors sur votre première feuille Excel et vous faites un clic gauche à l'endroit où vous souhaitez que cette image s'affiche. Vous pouvez, si besoin, déplacer cette image, la réduire ou l'agrandir en utilisant les poignées de redimensionnement, mais aussi appliquer un style d'image ou encore utiliser les effets pour donner un peu de relief en sélectionnant par exemple l'ombre du centre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cette image est liée à votre plage de données. En effet, si maintenant j'indique qu'Eddie sera présent au repas, vous avez bien sûr le nombre de personnes qui augmente en passant à 21, et le coût par personne est modifié à 40,84. En retournant sur votre première feuille Excel, comme vous pouvez le voir, la modification a bien été prise en compte. De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Appareil photo autant de fois que vous le souhaitez afin de réunir sur votre première feuille Excel les informations importantes dont vous avez besoin. Ainsi, vous gagnez du temps pour consulter les données essentielles lorsque vous avez de nombreuses feuilles Excel, mais aussi lorsque vous avez besoin de créer un tableau de bord pour réunir des données de plusieurs fichiers Excel. En effet, si vous souhaitez insérer des données d'un autre fichier Excel, alors après avoir ouvert votre fichier, vous sélectionnez la plage de données, vous cliquez sur l'appareil photo, puis vous retournez sur votre fichier où vous souhaitez créer votre tableau de bord, et vous faites un clic gauche pour afficher la capture de la plage de données. Comme précédemment, vous pouvez modifier le fichier source et les données figurant sur votre image seront mises à jour automatiquement. Maintenant, si vous fermez votre fichier, vous cliquez sur « Enregistrer » et si vous modifiez votre fichier source, vous allez pouvoir mettre ensuite votre tableau de bord à jour. Je vous montre avec un exemple en modifiant le prix du budget par personne qui est actuellement de 89 euros. Je vais noter à la place 92 euros et je vais fermer ce fichier en cliquant sur « Enregistrer ». À présent, en ouvrant le fichier,
où se trouve le tableau de bord, vous avez ce message qui s'affiche vous indiquant que ce classeur comporte des liaisons. Vous cliquez sur « Activer le contenu ». Pour l'instant, le prix du budget repas est toujours à 89 €. Pour mettre à jour les données figurant sur votre photo, vous la sélectionnez, puis dans l'onglet « Données », vous cliquez sur « Modifier les liaisons » et vous faites un clic gauche sur « Ouvrir la source ». Ce qui ouvre votre fichier. Maintenant, en retournant sur le tableau de bord, les données concernant le budget par personne sont mises à jour. Pour continuer, je vais supprimer ces photos pour vous montrer comment afficher des photos liées à vos plages de données à l'aide d'une liste déroulante. Pour cela, vous devez dans un premier temps donner un nom aux différentes plages de cellules que vous souhaitez capturer. Pour le graphique, vous sélectionnez la plage de données autour de votre graphique, dans le cas présent de la cellule E9 à la cellule J19. Puis dans la zone nom figurant à gauche au-dessus de votre feuille de calcul, vous faites un clic gauche et vous lui donnez un nom. Pour cet exemple, je vais noter graphique et vous appuyez sur la touche entrée. Attention maintenant de ne pas déplacer votre graphique. Puis vous répétez ces actions pour nommer vos différentes plages de données que vous souhaitez capturer. Pour le récapitulatif des frais, vous sélectionnez les cellules et dans la zone nom, je vais mettre analyse et vous n'oubliez pas d'appuyer sur la touche entrée. À présent, sur votre première feuille de calcul, vous sélectionnez une cellule où vous souhaitez insérer une liste déroulante et dans l'onglet données, vous faites un clic gauche sur validation des données. Dans la fenêtre qui s'ouvre sous autoriser, vous ouvrez le menu déroulant et vous sélectionnez liste. Puis vous faites un clic gauche dans le cadre source, puis sans espace, vous notez le nom que vous avez attribué à vos différentes plages de données, séparées par un point virgule. Une fois terminé, vous confirmez en cliquant sur OK. Si vous souhaitez appliquer une couleur de remplissage sur la cellule où figure votre liste déroulante, dans l'onglet Accueil, en cliquant sur Remplissage, vous sélectionnez une couleur, et comme il s'agit d'une couleur foncée pour l'écriture, vous sélectionnez le blanc. Attention, avant de continuer, vous devez, en ouvrant votre liste déroulante, sélectionner l'un des noms. À présent, en gardant cette cellule de sélectionner, vous allez la nommer, mais cette fois, en cliquant sur l'onglet « Formule » et sur « Gestionnaire de noms ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous retrouvez les noms que vous avez donnés à vos plages de données. Pour nommer la cellule où se trouve votre liste déroulante, vous cliquez sur « Nouveau ». Dans le cadre, en face de « Nom », je vais mettre « Choisir », mais vous pouvez noter le nom que vous souhaitez. Ensuite, dans le cadre « Fait référence à », vous avez actuellement la référence de la cellule actuelle dans l'onglet « Frais repas fin d'année » et dans la cellule « H2 ». Pour lier cette cellule à vos plages de données enregistrées, vous faites un clic gauche à côté du signe égal, vous ajoutez la fonction « Indirect », vous ouvrez une parenthèse, si besoin, vous agrandissez cette fenêtre, puis après le chiffre 2, vous fermez la parenthèse. Ainsi, la fonction indirecte va permettre de renvoyer la valeur d'une plage de cellules selon la sélection effectuée dans votre liste déroulante. Pour continuer, vous cliquez sur OK et sur Fermer. Maintenant, toujours en gardant de sélectionner la cellule où figure votre liste déroulante, vous faites un clic gauche sur la fonctionnalité Appareil photo, ce qui affiche en pointillé la cellule de sélectionner. Comme précédemment, le curseur de votre souris se transforme en signe plus et vous faites un clic gauche sur une cellule vide. Pour l'instant, comme dans les cas précédents, la fonctionnalité Appareil photo affiche la cellule qu'elle a capturée. En consultant la barre de formule, vous pouvez voir qu'il s'agit de la référence de la cellule de la liste déroulante. Pour afficher les images nommées dans votre liste déroulante, dans la barre de formule, vous conservez le signe égal, vous sélectionnez la référence de la cellule actuelle et vous appuyez sur la touche « Supprimer ». Puis vous notez le nom que vous avez attribué précédemment à la cellule où figure votre liste déroulante. Dans le cas présent, je vais commencer à noter « Choisir ». Le nom apparaît en dessous. Vous faites deux clics gauche pour le sélectionner. Maintenant, en appuyant sur la touche « Entrée », vous avez l'image qui s'affiche correspondant à la sélection effectuée dans votre liste déroulante. En fait, en combinant la fonction indirecte avec la fonctionnalité « Appareil photo », cela vous permet d'afficher une image dynamique en fonction de la sélection effectuée. En effet, à présent, si dans la liste déroulante, vous sélectionnez le nom d'une autre image, alors l'image précédente disparaît pour afficher l'image de sélectionnée. Ainsi, si vous devez effectuer une présentation, cela vous permet de détailler les différentes analyses
et votre audience n'est pas distraite par les autres images. À la fin de votre présentation, si vous avez besoin d'afficher toutes vos images, alors, avant votre présentation, sur une nouvelle feuille de calcul, vous utilisez la première option expliquée en début de vidéo pour réunir sur une feuille Excel toutes les images que vous souhaitez capturer avec l'option appareil photo. Et comme dans le premier cas, même si vous utilisez une liste déroulante, vous pouvez également apporter des modifications à vos données sources. Si je modifie le montant de la décoration de la salle en notant 80, votre graphique est bien sûr modifié automatiquement. À présent, en retournant sur votre première feuille Excel, votre image étant liée à la plage de données, le montant de la décoration de la salle a bien été mis à jour. À présent, vous savez comment utiliser la fonctionnalité appareil photo, mais aussi insérer une liste déroulante afin de pouvoir sélectionner les photos que vous souhaitez, ou encore pour créer rapidement un tableau de bord. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !